gars, c'est Telium, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne personnelle les gars, pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça fait extrêmement longtemps que j'en avais fait une sur ma chaîne, il n'y en a aucune qui apparaît en public sur ma chaîne les potes. Voilà une petite vidéo statistique, en tout cas j'espère que ça va vous faire plaisir les gars. On vise les 350 likes sur cette vidéo, j'espère vraiment qu'on les atteindra, ça me ferait super plaisir les gars. En commentaire, détaillez-moi vos stats, j'aimerais bien savoir dans mes abonnés, quel est votre ratio, votre nombre de jours de jeu, votre nombre de nucléaires, etc. Ça peut vraiment être intéressant, puis comme ça on peut se comparer un petit peu nos statistiques les potes. Bref, on va arrêter de blablater, je vais vous montrer mes stats, je vais pas tout vous montrer parce que ça serait trop long, je vais vous montrer l'essentiel les gars. Donc alors tout d'abord, on va aller dans caserne, comme vous le voyez les gars, j'ai 329 000 kills, ce qui est énorme, c'est quand même vraiment pas mal. Après il faut savoir que je joue que à Black Ops 3 depuis pratiquement qu'il est sorti, j'ai presque joué que à Black Ops 3, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal de jours de jeu dessus. J'ai 42 jours de jeu, je suis level 1000 depuis un bout de temps, j'ai eu mon level 1000 au bout de 13 ou 14 jours de jeu, voilà, enfin vraiment une belle performance, je trouve que j'avais vraiment géré pour ça. Il faut savoir que mon compte au tout début je faisais vraiment que de l'hardcore, du G6 hardcore tout le début de mon compte, et j'avais des stats un petit peu meilleurs que ça, voilà, c'est pour ça que j'ai eu rapidement mon level 1000, enfin un gros ratio, etc. J'avais 3,60 de ratio, 3,70 je crois avant, il a un petit peu baissé pour avoir 3,17 de ratio. J'ai 1,33 de VD, clairement le VD je ne le joue pas. En SPM j'ai 655, j'avais plus de 700 à l'époque donc c'était pas mal. Ouais, j'ai fait, je pense que j'ai fait un tiers de mon compte en demi-hardcore, voire un petit peu plus. Au tout début je faisais vraiment que l'hardcore, après je me suis mis au simple et j'ai vraiment lâché l'hardcore les potes. Donc voilà, on va regarder ça vite fait d'ailleurs. En carrière, en standard, j'ai combien de jours de jeu? Sachant que j'ai 42 jours de jeu sur le jeu. Si ça veut bien charger, on pourra peut-être voir, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Voilà, donc j'ai 25 jours de jeu en simple. Donc en hardcore, si on déduit, ça doit faire 17 et quelques, donc voilà. J'ai pas regardé les SPM et tout, donc c'est assez long à charger parce que j'ai beaucoup d'amis, je pense que c'est pour ça. Donc voilà, hop. Donc j'ai 17 jours et 20 heures de jeu en hardcore avec 806 de SPM, je suis classé 921ème, c'est quand même vraiment pas mal. Sachant que j'ai laissé l'hardcore il y a vraiment très très longtemps, j'ai complètement stop. Je vais regarder vite fait d'ailleurs en demi-hardcore ce que ça peut donner. J'étais pas mal classé, j'avais régulièrement la deuxième ou troisième place en classement hebdo, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Voilà, comme vous le voyez, je suis 560e, 173 000 kills avec 39 000 kills, ça correspond à peu près à 4 de ratio. Donc voilà, et puis en simple, c'est un peu plus faible parce que le simple, c'est ouais, c'est un petit peu plus dur. Mais bon, j'ai quand même des stats assez honorables, je trouve. En tout cas, ça passe. En simple, je vais regarder vite fait si ça veut bien s'actualiser. Voilà, vous le voyez, j'ai 529 de SPM, c'est quand même pas mal moins, mais bon, c'est quand même assez cool, et je suis quand même assez bien classé, donc franchement, ça fait plaisir. Bref, on va pas s'attarder sur ça, c'était un petit détail, voilà, ça c'est l'essentiel de mes stats. On va aller dans les médailles, très important, voilà. J'ai 770 nucléaires sur le jeu, ce qui est vraiment énorme, enfin, oui, je trouve quand même que c'est assez pas mal. Il y a très peu de personnes qui ont les 1000 nucléaires, j'en connais pas énormément, donc voilà, je m'approche des 1000 nucléaires, ça serait un objectif que j'aimerais bien atteindre les potes, ça me ferait vraiment plaisir, mais bon, le jeu est quand même bien plus difficile qu'avant, il y a énormément de trières, donc c'est un petit peu galère, je réalise de temps en temps des petites nucléaires, voilà, j'ai pas mal de nucléaires sur le compte d'abonnés, etc, enfin bref, je dois m'approcher, sans mentir. J'ai eu des nucléaires aussi qui n'ont pas compté dans mes stats pour des bugs d'erreur d'application et tout. Je dois m'approcher des 880-890 nucléaires en tout, je pense, avec toutes les nucléaires que j'ai fait sur les comptes d'abonnés, etc. Ouais, je dois pas être loin des 900 nucléaires, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que j'ai loupé 500 nucléaires en brutal, c'est quand même pas mal, j'ai quand même pas mal fail. En kill chain, j'en ai 1200 parce qu'avant, je faisais que de l'hardcore. Vraiment, les kill chain, quand t'étais en hardcore dans les spawns, tu tapais. Il y avait des games, clairement, je faisais 7 ou 8 kill chain, c'était vraiment hallucinant. Et même au point de vue des nucléaires, je réalisais pas mal de doubles, triples nucléaires, etc. Donc c'est vrai que ça allait hyper vite pour les stats, je les montais vraiment hyper vite au niveau des médailles et tout, mais voilà, donc voilà, c'est quand même assez cool. 1200 kill chain, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui ont autant de kill chain, et je tiens à dire que mon compte les gars est full legit. C'est mon seul compte sur Black Ops 3, je n'ai pas triché, c'est mon compte est vraiment tout legit depuis le début, donc voilà, ça j'en suis vraiment fier. En tout cas, j'ai 551 exterminations, donc j'ai deux fois moins d'exterminations que de kill chain, c'est vraiment un truc de fou. Carnage aussi, j'ai moins de carnage que de kill chain. Massacre 1600. Implacable, on est à combien en implacable? Voilà, 2181 implacable, j'en ai presque loupé 1000 implacables pour aller à la brutale. J'ai 7100 invincibles pour 770 nucléaires, ça veut dire que je réalise environ 10 gunstreaks par nucléaire, donc c'est assez cool. Vous vous dites que j'ai fait 7000 kills sur mon compte en ayant déjà débloqué la nucléaire, donc c'est vraiment pas mal. 7500 sans pitié, 20000 sanguinaires, bref, c'est les médailles les plus importantes, puis voilà, hop.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai fait à peu près le tour. Au niveau de l'arène, j'ai presque pas fait d'arène. Comme vous voyez, 8 heures de jeu en arène, j'ai pas du tout joué. En zombie, non, je vais pas aller en zombie, ça sert à rien, j'en ai presque pas fait non plus. Je vais vous montrer vite fait les ratios d'armes un petit peu. Comme vous le voyez, la Razorback, au début, quand je faisais full hardcore, c'était que de la Razorback. Donc 4-19 de ratio, mais je n'y touche vraiment, vraiment plus. Voilà, comme vous le voyez, voilà, la précision, etc. Ça se voit bien que c'est de l'hardcore, les gars. Voilà, voilà. Après la manoir, ma deuxième arme la plus jouée, j'espère qu'elle passera première. On s'en approche en tout cas, c'est vraiment celle que je joue le plus en simple. J'ai joué un petit peu en hardcore au début, mais bon, c'est pour ça que la précision est que de 21. Sinon, je jouerais peut-être 24 ou 25. Vous le voyez bien en ratio, je joue que en simple avec. Du coup, c'est normal que j'ai un ratio un petit peu plus faible. La KN44 que j'ai joué en hardcore au début est pas mal en simple aussi. Vraiment une bonne arme qui me fait vraiment plaisir. De toute façon, l'arme que je joue le plus, c'est la manoir en ce moment. La KN, ouais, je la joue un petit peu. La Kuda que je jouais pas mal en hardcore aussi. Et en simple aussi, j'ai pas mal joué. De toute façon, vous le voyez, les gars, quand vous voyez précision à 12 ou 13, c'est vraiment que j'ai joué que en hardcore. Et si vous voyez du 22-23, c'est que j'ai vraiment joué que en simple. Donc voilà, celle-là, je l'ai mixé un peu dans les deux modes. La GK30 que je jouais pas mal en hardcore avant, ouais, vraiment je la kiffais bien. La Peacekeeper, l'arme de l'hardcore, dès que je l'ai eu, je l'ai débloqué, j'ai lâché la Razorback, etc. J'ai joué que à la Peacekeeper, vraiment je l'ai saigné pas mal. Donc voilà, des bonnes stats avec, en tout cas ça fait plaisir. La Weevil que je jouais un petit peu en hardcore aussi, un peu en simple, un peu des deux. La M8 que j'ai un peu joué, mais je l'ai vraiment lâché. VMP que j'aime. Non, VMP, une arme que pas mal de gens aiment, mais que personnellement j'ai pas tellement kiffé, que j'ai très peu joué. Ensuite, la Dingo, j'ai une petite période où je kiffais la Dingo, je sais pas pourquoi. Breachy, l'arme de salope. Bon, après, on entre vraiment dans des armes que j'ai très peu joué. Ici, un petit peu en accord, je l'ai joué. La KVK, ouais, la KVK que depuis que je l'ai débloqué, vous le voyez bien. 24% de précision, ouais, que j'ai pas mal joué quand même. Ça me fait plaisir cette arme en tout cas. La FFR que j'ai joué un petit peu. La PPSH aussi quand je l'ai débloqué. Après, j'ai vite lâché. La Pharo, le MR6, R70 Ajax. De toute façon, après, les armes DLC en général, elles ont 1000 kills. J'ai joué une semaine et quelques, et puis après, je les ai vite lâchées. Bonne stat à la GK11, ça fait plaisir. 371 de ratio d'ailleurs. Hop, après, je vous montre vite fait. Vous pouvez regarder vous-même, vous avez des yeux, les potes. C'est vraiment des armes que j'ai très peu joué en général après. Voilà, voilà. Hop, je vous montre quand même toutes les armes. L'appel du devoir, quand je tentais la nucléaire avec, j'ai fait deux brutales dans la même journée. J'avais clairement le seum. Hop, après, Shiva, Carrière, Maymaker. Dread, j'ai le quart d'œuf. Pour la plupart, c'est des kills en jeu d'armes que j'ai réalisé avec. Donc voilà. Très peu joué toutes ces armes. Vraiment, très peu joué. La M16 d'ailleurs, dommage. J'aurais dû plus la jouer. Bah, je vous montre. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'armes. D'armes DLC, surtout que j'ai pas joué du tout. Donc voilà, hop. Après, ouais, c'est des armes que j'ai fait clairement 0 kill avec. 0 kill. Et là, il m'en manque simplement deux, la XMC et l'Olympia. L'Olympia que je kiffe énormément d'ailleurs. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? On va vous montrer les spécialistes vite fait, l'armure cinétique, l'hardcore au tout début du jeu. Depuis que j'ai lâché, bah c'est purif ou faux. Un petit peu concentration quand je joue en mêlée générale. Hop. Et puis après, des trucs que j'ai grâce au 10e spécialiste là, que je joue de temps en temps. Mais bon, bref, c'est vite fait quoi. Plus mortel fantôme. Ouais, le fantôme que j'ai fait le plus de kills avec. Sinon, les trucs c'est drone. Hater, drone de brouillage normal, la base, un petit peu de tourelle aussi que je joue pas mal. De toute façon, quand je joue, c'est soit drone de brouillage hater ou drone tourelle hater. Avant, quand je jouais en hardcore, c'était drone fantôme hater. Voilà, rap, j'ai très peu joué sauf pour tenter des petits 200 kills. Plus mortel, le C4, la base, le C4, vraiment, c'est. Waouh, j'ai 16 000 kills avec, c'est quand même hallucinant, c'est quand même vraiment pas mal. Si vous voyez bien que j'ai rien joué d'autre, je mets jamais de grenade dans mes classes, ça sert strictement à rien, ni d'autres Semtex ou bail du genre. Mode de jeu, je vais vous montrer vite fait. Clairement, moi, c'est que la demi, que ça, que ça, que ça. 351 de ratio, 717 de SPM. Voilà, point strat un petit peu quand il y avait le mode nuketone, un petit peu, ouais, point strat. MME vite fait pour monter des victoires ou autre chose du genre, liaison un petit peu, mais les générales, puis voilà, après c'est vraiment des modes que j'ai très peu joué. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon compte, les gars. J'espère que bah la vidéo vous aura plu, c'est vraiment un compte assez bien, un compte d'un gros tryhard de level 1000, on va pas se mentir. En tout cas, mes stats me font plaisir, j'ai 42 jours de jeu, je suis fier de mon compte parce que les full legit, les stats sont quand même assez honorables. Et voilà, donc je pense pas que je ferai de restart level 1000, sauf si je perds un invien, ça clairement j'aurai le seum. Sinon ouais, le restart level 1000, peut-être que je le ferai quand j'aurai les mines nucléaires, mais bon ça c'est, il y a encore le temps à attendre. Bref, on verra bien. Moi je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires votre nombre de nucléaires, votre ratio, etc, vos stats, pour voir un petit peu ma communauté, si vous êtes des tryhards ou pas. Bref, c'était Tedium, n'oubliez pas le like sur la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir les potes. C'était Tedium, vas-y, ciao les gars.